faire une entrée tout en fraîcheur. Des tartelettes fines avec des radis et du Saint-Moré. Super gourmand. On est parti? On est parti. Alors raconte-nous. Alors on va commencer par la pâte brisée. Alors on a acheté une pâte brisée du commerce, vous pouvez bien évidemment la faire maison. Hein. Un emporte-pièce. Voilà, donc on va détailler des cercles. Voilà. Tac. Je vais les ranger délicatement sur une feuille de papier sulfurisé sans les étirer, hein, sinon vous allez ovaliser vos tartes fines. Pendant que Pascal termine de découper, regardez, à la fourchette. C'est pour éviter que ça gonfle. Voilà, et ça vous évitera de les cuire entre deux plaques. On va cuire nos tartelettes à blanc, Pascal. Voilà, donc on a préchauffé le four à 180 degrés et on va les faire cuire une quinzaine de minutes. Allez, c'est parti. Donc pendant que la pâte cuit, Damien va nous hacher donc les cornichons, les câpres et l'œuf dur. Il faut les hacher assez finement. Hein. Oui. Hop, on va tenir les cornichons. Ah, ça va amener, en fait le Saint-Moré est très frais. Là on va apporter le côté croquant. Oui, puis il y a la petite touche acide qui va vraiment donner du relief à votre tarte fine. Ok. Oh, t'as fait ça comme un chef. On va hacher quelques herbes. Voilà. Donc une ciboulette, par exemple. Voilà, on va rajouter un peu de basilic. Mais là, c'est les herbes fraîches, comme vous voulez, selon les saisons. Et on en met, hein, on adore ça. Ok. Donc là, on va mettre le Saint-Moré dans le bol. Ce que j'adore, le Saint-Moré, c'est la texture. Oui, c'est hyper, super crémeux. Hyper crémeux, c'est très texturé. Et du coup, vous allez voir qu'on va tartiner nos tartes fines. C'est vraiment impeccable. Voilà, tu l'écrases à la fourchette. Voilà. J'en vais rajouter, regardez, les œufs durs hachés. Parfait. Les câpres. Parfait. Cornichons, pareil, pour l'acidité et la fraîcheur. Mmh. Plein d'herbes hachées. Alors là, vous pouvez vraiment les herbes que vous aimez. Vous pouvez mettre de la coriandre, du basilic. Faites-vous plaisir. Et pour le côté croquant et un petit peu piquant, on va rajouter des échalotes hachées finement. Alors, il suffit de mélanger à la fourchette. Oh, ça sent bon. Et là, du coup, vous voyez, vous avez un mélange super onctueux. Là, tu travailles, voilà, tu l'émulsionnes un petit peu. Et c'est impeccable. Hein. C'est un peu comme l'idée, c'est l'idée d'un tartare, vous voyez, on a de la fraîcheur. Parfait, Pascal. Moi, je vais rajouter un petit tour de poivre du moulin pour terminer. Voilà, pour bien assaisonner. Voilà, un petit tour de poivre du moulin. Et notre mélange Saint-Moré avec tous les condiments hachés est prêt. Nos tartelettes sont cuites, on les a laissées refroidir sur une grille. Il faut vraiment que ce soit bien froid pour que tu puisses les tartiner. Exact. Alors moi je vais mettre... Généreux en Saint-Moré. Bah oui. Donc on étale tout simplement. Un bon centimètre. Hein. Et pendant ce temps-là, moi j'ai des petits radis. Je vais les couper en très fines lamelles. Alors moi j'ai une mandoline, mais bien évidemment vous pouvez les faire au couteau. Hein. Hop, je récupère une tartelette et là, comme une tarte aux pommes, elle part de l'extérieur. C'est beau. C'est ton côté féminin qui ressort. C'est ma part féminine, regardez. Hop, tac, tac. On essaie d'avoir des petites écailles. C'est absolument magnifique. Okay. Et regardez, vous allez terminer avec un tout petit peu de ciboulette hachée, mais très 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 fin. Ça veut dire quelque chose de très joli. Et là-dessus, une parsème. Et vous allez répéter l'opération 4 fois et vous aurez 4 entrées très sympas pour un apéro du matin. Nos tartes fines au Saint-Moré sont prêtes, quelques gouttes d'huile d'olive. C'est magnifique. Voilà, et là vous avez une entrée pour un apéro-dinatoire, un truc vraiment très très sympa. Alors ce que vous pouvez faire pour faire encore plus simple, vous prenez du pain de mie, vous enlevez la croûte et vous le faites toaster et puis vous faites éventuellement un cercle avec un emporte-pièce. Vous avez des petits crackers dessous, c'est vraiment nickel et en quelques secondes vous faites un truc vraiment très sympa. Alors maintenant, à vous de jouer. Bon appétit.